vous êtes toutes, il n'y a pas de déclin, il n'y a rien, et ça c'est incroyable dans un groupe, et franchement chérissez ça, parce que c'est très rare d'avoir une équipe, toutes vous parlez, toutes c'est interchangeable, et c'est incroyable, moi ça fait 20 ans que je fais du sport, j'ai jamais vu ça. Et on a de la chance d'avoir des gens ici qui sont prêts, parce que ça fait partie aussi de la culture marocaine, d'accord, l'accueil, donc profitez au maximum de ces temps-là. Parce que, et en plus, les jeunes que vous voyez, pour eux, c'est une chance énorme d'accueillir des gens de l'extérieur. Arrivé à Marrakech jeudi 28 février. Donc on a passé une bonne journée à Marrakech, on a visité le souk, les bungalows, la piscine, c'était très cool. Du coup après on est parti à Essaouira. La ville de Essaouira, c'est la seule ville où le sport numéro 1, c'est le basket. Et il y a une vraie culture et une vraie histoire du basket. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour d'avoir confiance en nous et d'accepter notre invitation, parce que c'est pas évident une association jeune qui a une année et demie, une année et 6 mois, et d'avoir organisé un tournoi international. Le plus important, c'est ce qui se passe à côté. C'est pour ça qu'on voulait que vous, déjà entre vous, vous profitez au maximum et que vous faites aussi profiter les Marocaines. On veut que dans les tables, qu'on ait au maximum par structure. D'accord, qu'on parte, lorsqu'on part, je pars avec un carnet d'adresses ou des comptes Facebook, au moins d'une vingtaine de filles. C'est ça ce qui nous intéresse. C'est ce qui va rester après. De recevoir, enfin, elle nous reçoit, Habiba Bigdad, maire adjoint chargée de la santé à la ville de Nanterre. À Essaouira, où il y a toutes les communautés qui vivent ensemble, et c'est ça que j'aime dans cette ville que je trouve, par ailleurs, excuse-moi, hein, je sais que moi, à chaque fois que j'ai voyagé quand j'étais jeune, ça a toujours été top, c'est toujours de là où je me suis dit, ah, maintenant j'ai envie de faire ça en rentrant, et j'espère que ça va être pareil pour vous, et vous allez voir, Essaouira, c'est une ville magnifique. Là, c'est aussi à nous de montrer comment nous on fonctionne, okay, comment nous dans le basket on est capable d'être ensemble dans les encouragements,
dans se taper au lancer franc, dans la façon de se communiquer sur le terrain. On doit aussi transmettre la manière dont nous on joue. Je me dis, la beauté, c'est que les filles puissent apprendre de tous ces genres de façons de faire. L'approche reste la même parce qu'il faut avoir les fondamentaux, mais apprendre l'une de l'autre pour pouvoir accéder au plus haut niveau. Au-delà de revenir sur le résultat, okay, qui certes on est déçu, okay, et ça s'est vu à vos têtes, mais je suis fier de vous sur ce que vous avez donné sur le tournoi, okay, sur ce que vous avez produit, mais surtout ce que vous avez fait en dehors. Okay. On est arrivé ici, j'avais une équipe, là on va repartir, bah, je vais en ai une autre. Donc au nom de l'équipe de l'organisation, il y a plusieurs personnes. Bien sûr, nous on était les référents à l'étranger, donc avec l'équipe sénégalaise, française et tunisienne. Ils sont déçus parce que malheureusement, ils n'ont pas trouvé de billets retour. Donc, ils ont envoyé leur excuse.
et surtout le grand travail qui était fait ici par l'équipe de Abdeltef, l'association Mogador, toutes les personnes qui sont là, les personnes qui sont dans les cuisines, parce que ça c'est hyper important pour nous. Parce qu'on voulait appliquer tout le monde et toutes les personnes qui sont dans notre philosophie.